Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est ma première vidéo back to school. Déjà, on est de retour dans le petit studio, comme vous pouvez le voir. Demain, là, les vidéos qui vont suivre, ce sera seulement que des vidéos back to school. Et on commence avec la première vidéo back to school. C'est parti, let's go! Je sais que vous adorez cette série, donc il y aura toujours des vidéos basiques, mais chasse aux fournitures scolaires et tout. Mais il y aura aussi des nouveaux concepts, comme ce nouveau concept. On a fait une commande chez Shein et tout simplement, je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Alors, c'est vraiment spécialement kawaii. On va tester, je vais vous dire mon avis, etc. sur chaque produit. Donc, il y aura plein de produits kawaii. Il y aura des coques de téléphone, des cahiers. Enfin, on va voir. C'est un chantier. Je vais au fur et à mesure. On va commencer. Ah, alors là, c'est une coque de téléphone. Ah, en fait on a un pop socket avec en forme de cookie, trop mignon. Donc pour les pop sockets, pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est si tu veux l'accrocher ou pas. C'est en gros un peu bizarre, hein. Il est un peu bizarre le pop socket, regardez. C'est j'ai jamais eu comme ça. En fait vous choisissez si vous voulez le mettre là. Je trouve ça trop mignon. Par contre la couleur marron, elle est super jolie. Oh, elle est trop mignonne par contre. J'adore. Par contre c'est dommage, le nounours il est cassé là, regardez. Ah mais non, c'est fait exprès justement pour parce que là on a l'interrupteur. Je sais pas, je verrai si je l'accroche, mais en tout cas moi je valide cette coque. Allez, on passe au prochain produit. J'aime trop tester comme ça. Ah là on est plus dans le back to school. Un cahier pastel trop beau à spirale. Il est super joli par contre. Franchement je le trouve trop beau. Donc voilà, c'est un petit cahier pour prendre des notes. Donc pour la rentrée, il est super joli. Franchement, j'adore. Couleur pastel comme ça. Je valide. Alors ça, écoutez, j'ai pris pour tester parce que c'est la grande de mode. C'est ce truc-là, regardez. C'est la grande de mode. Je sais pas ce que c'est en fait. Alors, apparemment, ça s'appelle des fidget toys. Alors mon frère adore ça, donc je vais lui refiler après parce que ben, je sais pas si... Alors apparemment ce sont des petites bulles je crois. Et en fait faites ça. Par contre c'est déstressant. J'avoue qu'en fait quand tu fais ça c'est déstressant. Et par contre je me vois pas faire ça dans la journée. Mais donc lui j'en ai pris des originaux tout simplement. Donc là il est en forme de donut, c'est un peu tie and dye. Voilà. Mais du coup je le refilerai à mon frère. Mais ouais c'est un concept. Mais j'ai vu que... génial. Et voilà. Mais j'ai vu que c'était la grande mode en ce moment. Moi à l'époque la mode c'était les cordes à sauter, les cartes Pokémon. Maintenant c'est les fidget toys, donc voilà. Mais écoutez, c'est un concept, moi je critique pas, je valide. Quand on est sur la lancée fidget toys, je vais vous montrer le reste. Alors ah oui, parce que on a celui-là en forme de bonbon. Il est énorme celui-là, mais en vrai, je vous dis, tu sais plus parler, ma chérie. Vérité, je vous dis la vérité, ils sont beaux quand même, vraiment. Mais bon, c'est un truc que je ferais ça la journée, mais il est saucé. Mais en fait, moi, je préfère ce côté. Il y a un côté que je préfère plus parce que l'autre côté, il fait pas de bruit, mais lui, il fait du bruit. En forme de pieuvre même. Même ils sont poussés, c'est un truc de malade, hein. En forme de cœur, mais je crois que celui-là... Ah oui, c'est un peu, vous savez, la peluche, mais sauf que c'est comme ça, regardez. Là, elle est tie and dye. Et là, elle est contente, je crois, là. Ah non, là, elle est choquée. I am shocked. Ah non, elle est choquée des deux côtés, en fait. C'est pas la peluche, en gros, c'est juste qu'elle change de couleur. Là, elle devient tie and dye. Et on a des... Je sais pas comment ça s'appelle, enfin, comment on peut appeler ça sur les côtés. Des bulles, je pense. Mais ça doit être des bulles. Elle est cute par contre. Elle est cute. Moi je trouve qu'elle est hyper mignonne. On va l'appeler Bobby. Bobby. Bobette. Bobette. Bobette la pieuvre. Elle est jolie. Alors oui, ils ont fait en forme de coque. Alors comment vous dire qu'elle est énorme. Je pense pas qu'elle rentre dans mon sac. Mais je voulais tester. Couleur je valide. Mais en fait ce que je me dis c'est que... En fait c'est un peu une arnaque. Parce que c'est pas comme les fidget toys comme ça. Là tu peux pas faire le jeu. À part sur les oreilles. Mais là tu peux pas. Donc voilà, ne vous faites pas avoir parce qu'en fait là tu peux pas le faire. C'est juste un truc comme ça où t'appuies mais ça fait rien. Juste sur les oreilles tu peux. Mais attendez, je vais la mettre. Allô, ça va? Ça va, oui. Maman, j'attends le bus. Non mais tu peux pas. Tu peux pas, elle est énorme. Par contre, j'avoue que c'est satisfaisant sur le côté, mais tu peux pas te balader avec ça dans la rue, c'est pas possible. Elle est énorme. Je dirais une tablette. Ah non, elle est énorme. Non, là, pour le coup, j'adore les couleurs. Vous savez, ça, c'est mes couleurs. Mais je valide pas. Ouais, non, je valide pas.
Parce que comme ça, tu peux même pas le faire. Mais on va rester sur la lancée des coques. On a 7 coques. Alors pareil, qui est énorme et que je trouvais trop belle. C'est le téléphone de Barbie, je crois. J'espère qu'elle est pas grande, mais on va voir. Non, ça va, je la trouve plutôt mignonne. Ouais, pour le coup, là, celle-là, je valide. Regardez, ben, elle est sympa. On dirait que... Non, elle est sympa. Moi, je trouve qu'elle fait vraiment... Là, pour le coup, elle fait kawaii. Et j'aime beaucoup. Enfin, c'est original, quoi. Mais elle est originale, j'aime beaucoup. Là, pour le coup, je valide. Là, c'est bon. Là, je suis convaincue, je valide. Ah, c'est coffre comme ceci. Alors, vous allez voir, je crois que j'en ai pris plusieurs. Je sais pas ce que c'est. Mais en gros, c'est un petit truc pour toucher. Ou c'est... Enfin, c'est satisfaisant, quoi. Et je trouve ça trop mignon. Là, pour le coup, je valide. En plus, ça, là, c'est hyper déstressant, là, le truc qu'on touche, là. C'est un petit poussin. El poussin peyou, el poussin peyou. Oula, la luminosité, revenez parmi nous. Oh, elle est trop mignonne. Regardez ce petit lapinou. Elle est trop mignonne. Mais ça, c'est vraiment la mode. Je crois qu'au Japon et tout, on trouve que ça. Dire en commentaire quel coque vous préférez et quel objet que j'ai testé dans cette vidéo vous préférez. C'est pas encore fini, ne vous inquiétez pas. Mais juste pour vous dire que pensez à mettre en commentaire des notes sur 10 ou votre objet préféré. Mais trop mignonne. Ah, celle-là je voulais la recevoir. Celle-là vraiment, c'est quelque chose que j'ai pris pour que ce soit utile. Vraiment. Parce que je m'étais... Alors oui, vous allez voir, je me suis moquée de ma mère quand elle a pris ça. Mais franchement, j'ai vu à quel point c'était utile parce que ça a été... On a eu la chance d'être invitées et j'ai dû vous filmer, je vous ai filmé, etc. pour vous montrer le parc Walibi. Et voilà. Et en fait, comme je filmais avec mon téléphone parce qu'on a perdu une caméra, donc on a une seule caméra, donc j'ai laissé la caméra à Mme Smirkus. Mais en fait, elle avait ça. En gros, c'est... déjà, elle est magnifique, regarde. Il y a des paillettes. Et en gros, c'est une corde que tu mets au cou. Et en fait, je trouve ça hyper pratique parce que j'avais tout le temps mon téléphone soit derrière et j'ai peur qu'on me le vole ou là, ou dans mon sac. Et à chaque fois qu'il se passait un truc, par exemple à Disney, ça m'a fait pareil. À chaque fois qu'il y avait par exemple une parade, je devais vite dans mon sac sortir mon téléphone et filmer. Et je trouve ça hyper pratique. Donc, on va tester déjà. J'espère qu'elle rentre. Ah ouais. Oh, elle est trop belle. Vraiment, là pour le coup. Et en plus, j'en ai vu beaucoup en ce moment avec... C'est un peu chelou, mais en vrai, ça va, ça passe. Mais ouais, pour au moins, tu direct, tu fais ça, hop, tu filmes. Et c'est cool, surtout moi, avec ce que je fais sur les réseaux, les stories, Instagram et tout. C'est super cool, en tout cas, écoutez, moi, je valide. Et vraiment, je l'attendais avec impatience, cette coque. Celle-là, elle est hilarante. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Je suis sur le point de vous montrer cette coque, donc regardez. Elle est pas juste trop mignonne. C'est les petites fesses du cochon en mode squishy et il y a le cochon. Je trouve qu'elle est hyper cute, vraiment hyper kawaii. Là, on va rentrer plus dans le back to school. Là, on a fini les coques de téléphone. On a des petits accessoires pour tout simplement les cours. Alors, je crois qu'on a. Alors, ça, on a cette petite boîte. Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est. Il me semble que c'est un compas. En gros, un ensemble de géométrie, voilà. C'est vachement mignon par contre. Et on a un compas. Ouais, voilà, j'avais raison. On a le compas avec la gomme. C'est super cool. Ils sont super jolis en tout cas. Et au moins, ça prend pas de la place quoi. C'est rangé, tout petit. Vraiment, ouais, je valide. Ah, on a ça aussi. Oh, c'est une patte de chat. Ah, c'est un blanco. Dites-moi en commentaire si vous appelez ça blanco ou correcteur ou souris. Mais moi, j'appelle ça un blanco. Mais c'est en gros une patte de chat. Et c'est trop mignon. Il me semble. Oh, il y a le petit blanco. Alors je crois que c'est le meilleur, le plus mignon blanco que j'ai eu de ma vie, je crois. Il est trop mignon, trop mince. Ah oui, alors aussi, alors si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez des stickers un peu à esthétique, VSCO, des trucs comme ça. Comme moi l'année dernière, j'avais personnalisé mon trieur avec des stickers. Sur Shein, il y a plein de lots de stickers, mais à seulement 1€, 2€, je crois que celui-là il a coûté 1€. Alors là pour le coup j'ai pas fait attention mais c'est les mêmes que j'ai pris l'année dernière. Alors, il y en a quelques-uns différents mais c'est sur le thème de la mer. Et pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière dans ma série Back to School, j'avais personnalisé mon trieur avec des stickers et que j'avais acheté sur Amazon et franchement je crois que j'avais payé 18€ ou truc comme ça. Et là il y a 1€ sur Shein, il y en a plein. Et c'est les mêmes, franchement pour vous dire là je les compare, hein, c'est exactement les mêmes. J'avais choisi un thème océan. Donc je personnaliserai pourquoi pas
un cahier ou quoi. Ah ben on a un autre loup là, du coup le sticker. Je me disais que j'avais pas pris seulement ceux-là parce que type de lait, on a des cercles comme ça. Celui-là, c'est un petit astronaute. Oh, vous le savez que j'aime bien personnaliser tout. Ah ouais, celui-là aussi, personnaliser. Avec des stickers, je personnalise plein de trucs. Et du coup, ben là, j'ai un sacré lot. Et je pense qu'il y a aussi une vidéo qui va... Une nouvelle vidéo dans la salle dessous où je vais personnaliser mes fournitures scolaires, genre mes cahiers et tout. Avec la Cricut, avec Cricut, etc. Mais pourquoi pas le refaire cette année. Ah bon, on a encore un lot. Mais je vous dis, c'est des petits lots comme ça, mais vous en avez plein. Ah, je sais ce que c'est, lui. La même forme, en gros ils sont tous carrés mais c'est des photos différentes, en gros c'est pour faire un collage, une sorte de petit mur collage, mais ça c'est génial et en fait vous avez plein d'images. Je sais pas si vous m'avez suivi, j'avais fait une vidéo où je transforme ma chambre en mode esthétique et sur mon armoire j'avais acheté plein de photos et j'avais fait un collage, mais en gros c'est pour faire pareil sauf que sur une surface un peu plus petite je pense. Mais c'est trop esthétique, mais ça par contre, mais là je vais me régaler, faut que je trouve juste la surface à personnaliser. Il y a des planches de surf. Oh non mais c'est juste magnifique. Là pour le coup franchement je suis agréablement surprise. Ah là on a un autre correcteur, un blanco aussi kawaii. Lui par contre je suis choquée. Il fait 6 mètres. En forme de petite bouteille de lait et il y a le blanco juste là. Trop mignon. Ça doit être elle qui a commandé. Ah mais c'est encore. Mais en fait j'ai le stock de blanco pour la nuit. C'est un blanco. Oh, mais c'est... C'est une glace le truc. Mais c'est un blanco. Mais c'est pas kawaii. J'allais le casser. Mais comment on peut inventer ces petites mignonneries. Et c'est un blanco. Mais là j'ai 3 blancos hyper kawaii. Et lui, alors par contre lui je viens de déchirer le papier. Ça c'est un taille crayon. Oh, mon taille crayon que j'ai il date depuis les... Non mais je crois qu'il date depuis la primaire. Sans rire, je vous jure il date depuis la primaire que j'ai. Je me dis un jour il va falloir le changer. Alors oui, je fais partie de ce genre de personne qui a un taille dans sa trousse. Apparemment, c'est bizarre. Apparemment, tout le monde a des porte-mines. C'est des porte-mines, vous savez, des... Porte-mines, quoi. Porte-crayon, porte-mines, je sais pas. Vous m'avez compris, je pense. Et bien moi, j'ai des crayons. Et j'ai toujours un taille crayon avec moi. Et en fait, ça... Ouais. Et je me dis, il faut le changer. Il est pas trop. Alors ça, c'est juste le meilleur taille crayon, je crois, de ma vie. Vraiment. Bienvenue parmi nous, bienvenue, tu vas vivre ta vie dans ma trousse pendant très longtemps. Enfin, pendant très longtemps, hein, Il me reste 2 années de lycée. Donc regardez, oh là, on a le truc gris, et là, vous ouvrez. Et, tada. On va l'appeler Bob. Par contre, ah voilà, c'est bon. On va l'appeler Bob, il marche super bien. Est-ce que c'est, attendez, une petite vidéo ASMR. Ça vous détend. Ça se finit jamais ou quoi? Ah c'est bon. Alors là on a une petite trousse. Alors ça j'aime trop parce que c'est une petite trousse hyper mignonne. Ah mais il y a des trucs dedans. Ah non il n'y a rien. En gros c'est une petite trousse pour mettre, vous savez, déjà par exemple les masques. Et elle est hyper cute. Les masques, le gel hydroalcoolique. Enfin tout ce qu'on met nous les filles dans un sac quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est le sac de Mary Poppins. Non mais... Alors celle-là, je m'y attendais pas vraiment. Mais attendez. Alors le truc... Ah mais... Oh, en gros, elle est hyper petite. Mais en fait, quand vous la grandissez, elle est énorme. Non mais... Alors pour le coup, je m'attendais pas. Mais en fait, ah mais c'est une... Ah mais c'est une trousse de... Ah mais c'est une trousse pour les cours alors. Hyper kawaii. Merci, Christine. On va l'appeler Christine. C'est Christine. Et je crois que c'est tout. Ah non, là on a... Ah, c'est un cutter. Un cutter. This a cutter. A cutter. C'est vraiment... Alors c'est une gomme. Écoutez, assez sympathique. Oh, hop. Elle, comme ça. Par contre, je vous laisse m'expliquer en commentaire à quoi ça sert. Les petits picots, là. C'est pas pour nettoyer quand... Je pense que... Alors, dites-moi en commentaire si c'est vraiment ça. Mais je pense que c'est... Quand vous gommez, il y a des petites, les petits restes de gomme. Et je pense que c'est pour enlever ça. Oh, ceux-là, ils sont magnifiques. Alors, les post-it, comme ça.
Alors ceux-là, ils sont magnifiques. Pensez à réviser le contrôle d'histoire. Oh non, me dire, oh non, tu me dire ça en un vacances, je suis en train de parler de contrôle d'histoire. J'ai l'impression que c'était hier les cours. Mais bon. Post-it, vraiment super beau. Pensez à tourner la vidéo où je suis et tout. J'adore. Et ils sont super cool. On a un petit bloc-notes aussi sympathique en forme de donuts. Il y avait ce coffret aussi. Regardez comme il est beau. Ça me fait penser. On dirait que je reviens du Japon avec tout ça là. Non mais moi un jour si je vais au Japon, je crois que je dévalise tout hein, avec tous les trucs Hawaii. Non mais en fait c'est un petit coffret et je crois que c'est un journal. Attendez, on va l'ouvrir. J'en ai marre de moi, j'en ai marre. Ça fait 10 fois que je casse les choses. Ça sent la fraise. Oh, ça sent la fraise. Et en fait, c'est... Oh, j'adore, c'est trop kawaii. Il y en a qui sont... En fait, là, vous avez un nounours. On me dirait que je vous ai vraiment du Japon, par contre. Et en fait, c'est une sorte de mini squishy qui sent la fraise. Et à l'intérieur, vous avez... des petites pages trop mignonnes comme ceci. Regardez par exemple là on a une page, je vous montre l'exemple. On a les petits mignons. Elle est super jolie et hein, j'adore par contre. Je vais noter toutes mes idées de vidéos YouTube. Vraiment voilà. Sur ce haul se finit maintenant. Je m'étouffe tellement qu'il a été long. En tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre article préféré dans toute cette vidéo, votre coq préféré, votre article back to school préféré. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Sur ce, je vous aime fort. Bye bye, team étoile.